Salut YouTube, aujourd'hui on est parti sur un concept un peu atypique. Je suis allé à KFC il y a 3 jours, j'ai rencontré des viewers qui parlaient derrière moi. Du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'ils avaient l'air bien gentils. Je leur ai proposé de venir faire une game viewer samedi midi. Il est samedi midi du coup. Alors nous parlons, je vais les faire affronter ma communauté du coup de Spartiates, les Decimus. Je vais jouer avec eux, on va voir ce que ça vaut du coup des viewers qui mangent à KFC. Ils sont jeunes dans l'ensemble, ils sont à peu près gold. On va voir ce que ça donne et je vais surtout voir qu'est-ce que je vais jouer avec eux parce que de ce que j'ai compris, je joue soit Disney soit Jungle. Voilà. Bon, alors je pense qu'ils vont être timides les gars, donc soyez gentils. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu là? Vous êtes bronze, fer. Attends, mais vous m'avez niqué sur la marchandise là, vous m'avez dit que vous étiez tous gold. Moi, non, quand je t'avais dit sur Insta, moi j'étais au BO gold. Du coup, je suis bronze 3 là, sur ce compte là. Parce que je vais pas venir avec un compte gold quand ils ont commencé à jouer, du coup j'ai ce compte là. Genre, pas un smurf, mais. Il y en a des mots. Je suis au BO gold. Mais en fait, on joue en jamais jungle. En classé. On joue tout le temps, mais on joue jamais en classé. Du coup, okay. On montera jamais. Ok. Bon, j'ai des joueurs, j'espère que les lanes vont être ok. Bon, dans tous les cas, vous êtes là pour apprendre aussi. Là, la fessée, j'espère qu'on va pas la prendre trop fort, quoi. D'ailleurs, vous connaissez d'où? Vous connaissez tous IRL? On est des frères. Des frères, hein. Genre des vrais frères, hein, ou des frères de cœur, quoi? Non, des frères. Sérieux? Ouais. Toutes les personnes que j'ai vues à KFC, vous étiez tous frères? Ah, en fait, c'est compliqué, c'est Camille recomposé, ouais. Si tu veux. C'est ah, unique, ok. Voilà. Mais c'est... Ok. On est sur la thématique quoi. Donc là j'ai une famille entière là avec moi là. Ouais. C'est beau. Comment vous le sentez les gars là? On verra. Platine, gold, non classé et argent 4. On verra bien. Ok. Moi je suis sûr qu'on peut gagner. Allez c'est parti. Du coup là vous êtes tous de Marseille de... Ah non, Salon vous non? Salon ouais. Salon. Bon ouais, on a que des sudistes deux à la quoi. Partie, deux à la part, ouais. Ok. Bon on les massacre les gars. Bien évidemment tout dans le respect. Invade? Bah si la Lux elle prend le Q-spell, ah, ouais, je sais pas si vous avez des grosses couilles quoi, ça va voir. Bah si, non, on est déçu ou pas même. Par contre faut pas faire le sud. Ah, bon je crois que t'as été repéré là. Oh il va mettre des saplings dans tous les sens, il faudra faire gaffe au buisson. Là tu vois pour moi j'aurais commencé top Vigo. Ah ouais. Que t'as Morgana qui CC, en face t'as deux persos low range, donc si tu touches la cage, bah ils sont morts au bot. Ils ont pas de heal, ils ont pas de cleanse. Qu'en gros pourquoi tu veux gang 7 alors que l'autre il joue TP tu vois. Et top to bot direct. Exactement. Ça part sur un coaching en même temps que je joue au DC. Après niveau gank, on n'est pas trop en danger. Le seul endroit qu'il faudra ward, c'est au niveau du tribush. C'est le seul endroit par où il peut gank. Là par contre, je suis en plein tryhard, je vous le dis. Je crois que j'ai jamais autant tryhard d'une game. Où tu vas Vigo? Je vais tenter un top. D'accord. Je pense qu'il va buzzer en plus. Vas-y, engage. C'est pas mon spell hein. Je vais l'avoir. Ah ouais, l'item support sur Lux, c'est pour découper ma mère en paillasson ou... Oh la con... Ah ouais, c'est vrai, pourquoi t'as ça, Fabio? Ah mais surtout, je crois que j'ai... Oh non... Je dois avoir les... Vous êtes pas les poulies les plus cuits du KFC, vous. Ah, je vais juste essayer de la site le canon. Ah, il veut pas. Ah oui. Il a l'écro, monsieur Pikachu. Bon, on se fait freeze, ils savent que j'ai pas de flash, c'est un R Nocturne sûrement au bot. Fais gaffe, Nocturne il est peut-être bientôt 6. Là, soit tu fais le Drake, soit tu nous aides, mais il faut que tu fasses quelque chose au bot. Drake, non, vous avez la priorité. Ouais, on peut. Faut juste aider, mets une flaque, essaye de push. Ça, on va perdre la midée, la Lux avait l'item support, ça va pas aider. Mais je peux pas acheter autre chose en fait. Ah, mais tu peux le vendre. Ah ouais, on est vraiment sûr. Tu cages, il est mort. Hein. Faut remonter après le Drake. Attends mais t'es... Oh nice. Mais t'es trop fort. Vas-y prends-le. Mais attends mais... Attention un Nocturne arrive. On recule. Courez. C'est bien les gars. Bon mid je sais pas comment tu vas survivre parce que t'as pas d'item, ils vont te charcuter. Là le but c'est de jouer pour l'Herald. Ce que tu vas faire c'est que tu vas me laisser seul au bot et tu vas courir là-bas Morgana. En fait s'ils sont malins ils me chargent au secours quoi mais... Ah, ouais, je vais venir alors. Je vais venir. Ah, il est là. Nice! Okay, parfait. Il y a une roquette qui part. Oh, fais chier. Allez! J'essaie d'arriver, je serais un peu en retard, mais. Il va me tuer, mais c'est pas grave. J'arrive. Ah non, finissez-le. Bien joué. J'arrive, les gars. Parfait, les gars. Bien joué. On a pas eu les rounds du coup. Et je pars une grosse wave. Moi, top, je suis pas trop mal, hein. Bon, je suis même bien d'ailleurs. Mais... Là il m'a ok.
dommage que tu mets pas shield. Bon, je pense que ça changeait pas grand chose, mais. Ça reste ok, les gars, ça reste ok, ils ont claqué beaucoup. Y'a Xayas ici, faites gaffe. Il va essayer de one-shot la Lux. Vous gagnez pas, je pense. La Navori déjà, la Xayas, ça aide pas. Ils sont en regroup. Est-ce que 7. Ouais, t'as la TP, il faudrait une ward pour que 7 il TP. Il faut rentrer dans le même couloir là. Et Renak est. C'est sur moi. Aïe, ah, tiens. Ah, je suis mort. Laissez-moi. J'aurais pas dû avancer. Dommage. Ah, c'est dur de jouer Jinx dans ce draft. Ouais, le Nocturne il joue létalité donc il va prendre très cher dans les fights. Il est en train de venir si jamais. Ouais, pareil. Ils sont tous top. Il va au Kai. J'envoie un ultime topside. Il est mort. Non, j'ai pas fait. Oh putain, j'ai touché. Oh, j'ai rien plus que. Oh non. Ouais, ils sont 5. Aïe. Et ouais. Ils sont top. Ouais, sans profondeur divin, c'est trop nul un vieux boss. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a pas de Nashor, ils prennent la tour mid, je prends la tour bot. Aïe. Oh là là, le Renek qui se remet trop bien sur ce fight. Ça a rien à voir avec le niveau que le client jouait tout à l'heure. Hein. Oui, il y a des golds ou des platines en même temps. Ouais, mais tu vois, je préfère les games comme ça dans la rigueur. Ah, dommage. C'est pas perdu, les gars. Il faut juste faire un 5v5, jouer autour de moi, faire en sorte que je DPS et. Si j'arrive à avoir un black kill, ça peut se faire. L'idée, c'est jouer sur un objectif majeur. Il faut avoir des wards un peu deep. Genre là, il faut essayer d'avoir une prévention sur les moves qui vont se passer. C'est top, attention. Attends. J'envoie une roquette top. Attention, prenez pas un long fight, ils arrivent, les autres. Ouais, c'est mort. Trop fort, pas, ils sont. Ouais. Ouais, je peux pas. Ils sont tous là en fait. Ouais, bah oui. Ouais, putain, j'en peux plus. Je crois que les gars, ça va être dur. Hein. Faut tenter un 5v5 avec moi là. Mais... Ouais, y'a Nocturne. Il est au golem, go choper lui. Y'a Nocturne ici, go choper. Y'a aussi LS. Go sur Sylas. On les chope, on les fight. Le Sylas en premier, le Sylas. Là. Bah. Je suis pas un jou. C'est pas une du plus joué. Ah non. Nocturne. Après vous enchaînez à gauche sur Xayah. De toute façon vous êtes mort, ouais, vous avez pas le choix. Pas, on prend des trade kills. Oh sa mère, c'est fine, la compo est viable pour moi quoi. On peut essayer de faire un 5v5 vers le Drake en vrai. Ils ont pas les gros timings, ils ont dû claquer beaucoup de choses. Ils vont peut-être jouer le fight avec le Herma Okai et Nocturne. Voilà, doucement. On va turn. Le but on joue pour le turn, hein. Go, Maokai. Nocturne. Ils sont sur moi les gars. Derrière. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Lux. A droite il reste des gens. Les gars, faut vous revenir. Lux, tu prépares, hein. C'est bien, wesh. Allez, bien joué. Allez, Nocturne. Non. J'ai. Ouais. Ouais. Bien joué la team! Voilà! Dites-leur! On peut nash, non? On peut nash. La team KFC, frérot, c'est ma famille ça. On peut le faire. On peut le faire. Ok, lourd. Nice, les gars. Stop, on arrête de grid. J'ai 3200 gold. Joue autour de moi. Hein. Si Nocturne arrive pas à m'éliminer, je pense que je peux turn le fight. Là, le but c'est de regroup ensemble. On essaye de mettre Hiral mid et jouer ensemble. Là, attention sur moi. Ah, c'est que je veux. Putain, je suis pas là. Pas mauvais moment. On n'était pas backé. Mon lag d'ailleurs. Non, je m'en pas eu le. C'était en gagné sur ça parce que vraiment le fight il était éclaté là chez eux. Alors on peut encore comeback. Faut vraiment jouer en absorption, il faut jouer autour de moi, faut pas chercher une cible ou quoi, faut me courir derrière. Parce que Nocturne à chaque fois c'est toujours pareil, c'est la même histoire, j'ai sur le cul. Go, Renek toi les bots. Et un flash. Yeah. Oh bien wesh. Ah dommage. Sur moi. Ouais. Oh, ils a touché les gars. Bien joué, Maokai. Allez. Silas. Ah mais j'ai pas eu le temps. Oh le bâtard. Oh, manque de chance là. Ouais, y'a Nocturne frérot.
C'est tous les fights. Hein. Non, moi, la Xayah, je l'avais bien tombée à la R. On pouvait pas la focus. Faut push mid et on essaye de rentrer dans le Nashor. Prenez vite les camps jungle avant qu'ils push. Et on va essayer de les fight vers chez nous. Si vraiment, hein, s'il y a un fight, j'arrive à avoir un reset et le Nocturne ne me tue pas, on gagne la game. Hein. Ah, ils vont push bot. Il faudrait push top si on peut. 7 à la TP. Si tu peux aller là-bas. Moi, je dépush mid. Lux, t'avances pas trop. Nocturne va te faire. Voilà. La prochaine fight, j'ai flash, cleanse, chrono. Le but, c'est vraiment créer une zone de spartiate où vous êtes tous autour de moi, là. Formation de tortue, les gars. Je vous assure que, les gars, le prochain fight, si on joue pas comme des mangeurs de tuba, frérot, on gagne. Mais Nocturne est pas là. Zaya est slow. Attention, R. Gars, je peux flank, hein. Bon, il est joué. Je sais pas à quel moment je suis censé jouer en fait. Bon, dommage, la game était intéressante, mais je sais pas comment jouer ça. Oh non! Ah ouais, nice try. Dommage, j'étais bien. Mais en fait, à la base, je voulais pas chrono, les gars, je voulais cleanse, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de jouer ADC et j'avais trop de trucs à faire. J'avais la Gale Force, j'avais le chrono, j'avais le heal, enfin la cleanse, le flash. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, quoi. J'ai chrono. Ils sont trop forts. Ouais, c'est très bien. Ouais, ils sont très très forts. Bon, en tout cas, c'était bien cool. Au moins, il y avait du danger dans ce game. Après, je pense que si je suis là, le dernier fight, c'est pas le même, monsieur. Non, c'est moi, en fait j'ai trop du mal à jouer ADC, déjà de une, et en plus je joue contre Nocturne, c'est infernal. Surtout que ce fight, je pense honnêtement qu'on aurait pu le win, c'est juste que j'ai mis les choses dans le mauvais sens, quoi. Bah écoutez les gars, j'espère que vous avez kiffé. Et bon, après faut rappeler les gars que les mecs d'en face sont sur le papier meilleurs, parce que je crois qu'ils sont majoritairement gold et plate, la majorité ils étaient bronze, silver, gold chez moi. Donc en vrai, je trouve qu'on a très bien tenu, on a fait des bons combats malgré qu'on soit derrière, donc il y a de quoi retenir un bon truc. Après juste bon, l'item support ça nous a pas aidé, quoi. Mais en vrai c'était cool. J'espère que vous avez kiffé la journée et peut-être à bientôt. On se verra peut-être au team de Day. Si vous avez aimé la vidéo sur la chaîne principale, n'hésitez pas à me le dire. Bon, c'est un concept inédit, hein, vous avez compris le concept. Je suis tombé avec des viewers de KFC. Le niveau n'était pas trop équilibré, mais c'est avant tout un concept fun. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez que j'en refasse, n'hésitez pas. Likez, partagez, abonnez-vous et rendez-vous demain. Ciao.